Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo spéciale des 200 000 abonnés. Donc je vous avais promis sur Snap que j'allais inviter une personne assez spéciale. Donc c'est ma maman. Donc dis coucou à la caméra. Bonjour. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous la montrer en caméra parce que ça fait longtemps que vous me demandez. C'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu délicat parce que c'est vrai que j'aime pas trop montrer et tout, mais vraiment pour les 200 000 abonnés, j'avais envie de vous faire partager un petit peu plus de ma vie personnelle, on va dire. Donc c'est pour ça que ma maman a bien voulu. Et donc on va faire le tag Mother Tag. Donc il y a plusieurs questions par rapport à nous deux. Donc c'est parti. Alors on a une série de 12 questions. Donc il y en a où ce sera toi qui devra répondre et d'autres où ce sera moi. Oui. Ok, donc c'est parti. Alors première question, le surnom qu'elle te donnait quand tu étais plus petite. Donc quand moi j'étais petite, quel surnom tu me donnais? Tati. Tati, voilà. Ouais, bah même maintenant mes amis et tout m'appellent toujours pas Tati. Souvent, hein, j'aime pas tellement Tati. Mais... ouais, c'est vrai que tu l'as souvent comme ça. Hein. J'aime pas tellement, mais pour faire vite quelquefois, je dis Tati. Ouais, parce que sinon c'est Tati, non. Ensuite, deuxième question, quelle est la pire bêtise que tu as faite, donc moi j'ai faite, et la punition reçue? Jamais. Jamais fait de trucs graves? Non, de trucs, des bêtises énormes, non, pas du tout, je crois. Tu es. Et j'ai jamais pu les officier aussi. Punition ou jamais, peut-être un jour. Pas avant. Hein. Enfin, non, mais même des trucs quand j'étais petite, je faisais quoi? Je cassais des verres ou enfin plein de graves. C'est rien. Ensuite, troisième question, quel est le plat que ta maman te cuisinait le plus quand tu étais plus jeune? Alors, là, c'est à moi de répondre. Franchement, il n'y a pas un plein particulier, toi, tu penses un truc? Bah, tu manges presque pas. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais été très... Je bois que du lait, c'est tout. Tout le temps du lait, du lait, du lait. Ou des petites pâtes, ça s'arrête là, mais... Ah, moi, j'ai toujours été pâtes. Que des pâtes. Je mange que des pâtes. Toute ma vie, c'est que cette pâte avec du gruyère. Et c'est tout. Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce que vous préférez l'une chez l'autre? Toi, déjà. Ses qualités, ses défauts. Non, déjà qualité. Que qualité? Oui, la qualité. Elle est très généreuse. Et quand elle voit que je suis pas bien, elle est là tout le temps. Je le sens en fait. C'est vrai, on dit tout le temps que les mères elles ont l'instinct maternel. Mais moi aussi, quand je suis pas bien, je le sens tout de suite, même si j'ai pas envie qu'elle sache. Ouais. Et elle est là tout le temps pour me consoler. Et ça, c'est une superbe qualité. Bah, moi, c'est un peu pareil. Quand je suis pas bien, elle le sait, même si on est loin. Hein. Enfin, elle m'appelle, elle me dit oui, je sais que ça va pas. Et voilà, elle est toujours là pour moi. Cinquième question, est-ce que ça fait bizarre d'avoir une fille connue sur YouTube? Franchement, j'oublie. Parce que c'est ma fille, je la vois tous les jours. Ouais, puis ça fait 2 ans maintenant que je fais ça. Parce que pour moi, c'est. T'as un peu de chance de faire ça. Tu voulais pas faire ça, mais on t'a poussé un peu. Ouais, à la base, je voulais pas. Et surtout, elle m'a. C'est surtout. Moi, je la vois tous les jours, alors voilà, il n'y a rien d'exceptionnel pour moi. Quand je vois sa vidéo, elle est bien. Ou quelquefois, je critique, mais je disais qu'il y a des choses qui ne vont pas et ça s'arrête là. Mais voilà, je ne veux pas crier sur le toit, que, regardez, c'est ma fille, c'est ma fille. Mm. Non, j'aime pas dire ça, elle est comme tout le monde, voilà. Votre meilleur souvenir ensemble? On a plein. Ouais, il n'y en a pas en particulier. Hein. Enfin, toi, t'en as un qui te revient là? Bon, quand tu étais née, c'était trop mignon. Je ne me rappelle pas moi à ma naissance. Oui, mais moi, c'était grand. Ouais, parce que j'étais sa première fille du coup. Oui, c'était bizarre. On voyage beaucoup, on partage tous les jours la même chose, on aime la même chose. Ouais. Voilà, on fait tout, 90%, on fait tout le temps la même chose. Ouais. Quel est votre plus gros point en commun? Je pense que c'est notre caractère aussi. Enfin, dans le côté, oui, on peut être généreuse et aussi, tu vois ce que je veux dire ou pas? On est rancunière. Rancunière, exactement, c'est ça. On est très gentil, vraiment, mais c'est la même chose. Quand quelqu'un qui nous déçoit, c'est fini. Moi, c'est fini. Là, c'est la question qui fâche. Quel est son pire défaut? Vas-y. Attends, moi, j'y vais. C'est, tu sais déjà, de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est que tu t'énerves trop vite. Parce que elle, c'est pas qu'elle est susceptible, elle est loin d'être susceptible, moi non plus. Mais c'est vraiment quand elle est une mauvaise humeur, elle va s'énerver pour rien, elle va tout de suite crier non, mais si, fais ça. Mais est-ce que je suis tout le temps mauvaise humeur? Non, mais quand tu. Enfin, je veux dire, quand tu es un petit truc méchant, et maintenant, c'est bon, tu pars quoi. Mais pourquoi je suis mauvaise humeur? Quand je rentre. Parce que personne m'aide à la maison. Bah, du coup, toi, c'est quoi mon pire défaut? T'es déjà. J'ai peur. Non, enfin, mon plus gros. Attends. Tu me réponds mal, ça fait 2 ans, tu me réponds un tout petit peu mal. Voilà, parce que c'est pas toi du tout. Voilà. Mais c'est pas ça mon pire défaut. Bah, si, ça commence à être un peu défaut parce que c'est fatigant à certains moments. Non, bah, vraiment, si. C'est pas vrai. Bah si,
tu me réponds, tu es inconsciente que tu qu'il y a des mots que je ne faut pas dire à sa mère. C'est, je t'insulte pas non plus quoi. Non, jamais. Faut le dire hein, parce qu'après ils vont comprendre. Non, c'est pas censé. Pour les gens, ils vont pas dire peut-être que c'est grave, mais c'est rien. Mais comme toi, quand je dis que tu t'énerves, ça part pas trop loin. Comme moi, quand je dis que je te parle mal, c'est pas non plus des insultes. Oui, mais on se balance pas des assiettes dans la gueule quoi. Ça va partir en clash cette vidéo. Ensuite, 9e question, quelle est sa plus grande qualité? Presque tout. Bah moi, c'est encore la générosité. Oui, il y a ça tout le temps. Et quand tu vois quand même que je suis fâchée, je me fâche, je parle plus, tu vois que je suis contrée, je suis fâchée et tu m'aides tout de suite. Ouais. Ça, tu connais ça. Non, mais moi, ce que je dirais pour toi, c'est que ouais, t'es toujours dans l'action, tu vois, tu l'as jamais tombé, tu fais tout le temps plein de trucs. Ouais, quelque chose que j'adore et jusqu'à maintenant, depuis qu'elle est maternelle jusqu'à là, terminale, elle finit cette année, normalement. Oui, normalement. Et c'est pas, mais depuis qu'elle est au CP jusqu'en terminale, moi et son père, on l'a jamais demandé est-ce que tu as fait ton devoir. Elle, le devoir, ça passe avant tout, tout le ouais, temps. Enfin, et ça, je peux vous dire que c'est génial. Non, et surtout aussi, elle range bien tout dans sa chambre. Ça, ça fait plaisir. Moi, je déteste ce bordel comme ça. Ouais, c'est tout le temps bien rangé. Une question, laquelle pique les vêtements, chaussures de l'autre? Alors, moi, je dis rien. Ça, c'est très très facile. Il n'y a que moi qui lui pique ses vêtements. Par exemple, là, vous voyez, ce t-shirt, c'est elle. Donc voilà, donc vraiment tout ce qui est vêtements du haut, juste les bijoux et les vêtements, je prends. Mais le bas et les chaussures, non, parce que j'ai les pieds, je suis du 42, comme vous le savez, et elle a fait du 39. Du coup, c'était pas possible. Marche, mais toi, mais par contre, tu me piques un peu en maquillage. Non. Tout petit peu. Non, parce qu'avec ma couleur de peau, ça passe. C'est rare. Ou des lunettes de soleil, des fois. Non, maintenant que des lunettes. Oui, maintenant, enfin, je veux dire, quand même. C'est un petit peu, non, toi non, aussi, tu prends des lunettes. Tu prends tous mes lunettes. Oui, mais ouais. Maintenant, j'en ai. Maintenant, j'aime bien acheter des lunettes, donc j'en achète et elle me pique un peu. Mais sinon, ouais, c'est surtout moi qui lui pique les hauts, surtout les hauts. Genre, des fois, oui, j'achète. Et je mets même pas, elle le pique voilà, déjà. C'est ça. Voilà. Et j'assume, hein, mais voilà. Parce que moi, en fait, avec les vêtements, j'ai un petit problème, c'est que je suis radine. J'aime pas acheter des vêtements. Parce que j'ai toujours peur, en fait, que j'en achète un et qu'au final, j'aime plus au final ou que je ça me pas plaît bien. Pas. Voilà, et que j'ai payé pour rien. Par exemple, ça m'est arrivé là, tu sais, les t-shirts Zara blancs que j'ai acheté. Oui. Bah, j'aime pas. Je l'ai essayé sur moi et il est pas ouf. Enfin bref, du coup, je regrette et c'est dans ce genre de moment là que je me dis il ne faut pas que je dépense parce que de toute façon, il y a la guerre de robe, c'est ma mère. Donc voilà. Alors, avant-dernière question, êtes-vous proches l'une de l'autre? Avez-vous une relation fusionnelle? Bien sûr. Ouais. Même, je pense que vous voyez dans la vidéo qu'on est assez complices, on est. Trop complices. Ouais, on se dit tout. On a rien à cacher, on partage beaucoup de choses. On s'est jamais disputé, genre plus de deux jours. Jamais. Les records, c'est un jour même, je crois. Même enfin, pas. Quand on se dispute, c'est pour des conneries, mais c'est oui, des trucs débiles quoi. Quelles sont vos passions communes? Je sais pas, enfin moi par YouTube j'ai pas une passion en particulier parce qu'en fait à chaque fois on me demande ouais c'est quoi tes passions à part YouTube et moi YouTube déjà comme ça prend beaucoup de temps je fais pas d'activité extrascolaire. Je vais souvent au cinéma. Ouais. Papa. Souvent. Ouais mais pas moi parce qu'il regarde des films d'horreur ou des trucs comme ça et moi j'aime pas du tout. Elle adore les films d'horreur mais genre c'est pas petits films d'horreur, c'est Exorciste, les trucs vraiment qui font peur et elle adore ça, vraiment. Donc non ça c'est vraiment le truc. On n'est pas du tout pareil. Moi j'aime bien les films bien cucu où il se passe rien de mal et elle c'est vraiment mais violent quoi, des trucs. Donc voilà pour cette vidéo, maman, ça t'avait plaisir d'aller sur ma chaîne? Très 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 bien, je suis contente. J'ai déjà une autre idée de vidéo à faire en fait justement avec elle, mais vraiment un truc trop 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 cool. Je suis sûre que ça va vous plaire, donc je vous dis pas encore ce que c'est. Si vous voulez la revoir dans une vidéo, et bah il faut que vous mettiez des pouces bleus. Tu fais les signes maman, je fais comme ça. Des comme pouces ça. Bleus. Et voilà, vous la reverrez peut-être cet été sur ma chaîne. Et voilà, en tout cas, moi je vous fais très très gros bisous. Merci encore pour les 200 000 abonnés. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!